Tu crois aux prophéties bibliques? Tu penses qu'elles peuvent révéler le futur? Si tu as des doutes quant à cela, prends un jour pour étudier le chapitre 9 de Daniel. Je suis sûr que tu seras surpris avec les détails qu'il révèle sur des événements futurs. Dans ce chapitre, Daniel reçoit une vision sur 70 semaines qui se référait au peuple juif. En appliquant le principe jour-année dans lequel chaque jour prophétique correspond à une année terrestre, nous arrivons au compte suivant. Une semaine, ça fait 7 jours. 70 semaines, ça fait 490 jours. Dans le langage prophétique, 70 semaines équivalent à 490 ans. L'ange a déclaré que la prophétie commencerait à partir du décret pour la restauration et reconstruction de Jérusalem. Cet événement a eu lieu en 457 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Artaxerxès a produit un décret en autorisant les Juifs à reconstruire leur ville. La vision déclare que dans la semaine 69, le Messie viendrait, loin. Celui-ci serait mort au milieu de la semaine 70. Maintenant, faisons nos comptes. Si la semaine 1 commence en 457 avant Jésus-Christ, la semaine 69 touche l'année 27 après Jésus-Christ, exactement l'année dans laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, en commençant son ministère sur terre. C'est pour cela que Daniel dit que dans cette année-là, le Messie serait loin. En revenant à nos comptes, la moitié de la semaine 70 touche l'année 31. Et tu sais ce qui s'est passé en cette année-là? La mort de Jésus. D'une façon incroyable, à partir de la date de départ de la prophétie, nous arrivons à l'année 27, période du baptême de Jésus, et à l'année 31, année où Jésus a été mort, en accomplissant le verset 27 de la prophétie qui annonçait « Il fera une solide alliance avec plusieurs » pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. À partir de la mort de Christ, il ne serait plus nécessaire la mort d'agneau au temple. Tu sais, cette prophétie extraordinaire qui s'est accomplie avec précision dans le baptême de et mort de Jésus, nous montre que Dieu est au contrôle de l'histoire et tient dans ses mains le futur de ceux qu'il aime.